Lundi 10 février 2020, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans la première sortie Éclair Info pour ce maintenant. Mais quelques des principales informations qui pral fait essentiel journal. Organisation citoyen et citoyenne pour une nouvelle Haïti dénoncer nouvelle carte identité film Dermalogue a produit pour l'État haïtien. Selon coordonnateur OCNH-LA, Koussi Payet des comptes à contentieux administratif, pas de valider contrat entre l'État haïtien et film Dermalogue. Organisation Femmes pour l'avenir Haïti plaide en faveur poursuite dialogue entre partis politiques, opposition et pouvoir en place. Là. Toutefois, coordonnateur général organisation Kéaline Blanc invité parti politique opposition prioriser intérêt pays. Collectif 4 décembre annoncé organisation yon marche pacifique dans Port-au-Prince vendredi 14 février 2020 cap vini là. Selon coordonnateur général collectif 4 décembre Jean-Robert Argan, marche ça c'est pour dénoncer insécurité à kidnapping en dedans pays. Dans page internationale journal la propagation épidémie coronavirus là après poursuivre dans pays la Chine, plus passé 900 morts à 40 000 cas contamination enregistrée selon bilan journée lundi 10 février 2021. Dans Chine continentale, 97 nouveaux décès enregistrés, parmi eux 91 dans Hubei, province qui trouvait dans le centre pays qui gagne comme capitale Wuhan, qui considéré comme foyer épidémie. Si c'est pour acheter fait, acheter moto boxer. Jeune motoboxeur, tout partout, dans tout pays. Bonsoir, ça va? Bonsoir. C'est pour un test, s'il te plaît. De combien? 1500 gouttes. Merci. En passant, quand tout a presque expiré. L'a expiré dans un mois. Merci, laissez-vous faire moi ça. Mangez ça. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Oh, Maes. Mika. Agenadon. En forme? En forme, oui. Ça va là. Bien acheter 2-3 petits bails ou qu'on baille. Avec 4 unibus de tout côté, ah, bien sûr. Bien sûr. By the way, vous vérifiez si pour la bail expire? Expire. Yeah, mon cause expire. Mika va dire pour causer ça, mon cher. Bah, j'aime pas ça. Yeah. Oh, mais quand t'as expiré. Mon cas, une nouvelle facile, juste à n'importe qui agent autorisé unibus de côté, ou bien n'importe qui sale unibus, juste by ça, il y a pas rapide, vite, gratis, si chéri. Gratis? Gratis, ouais. Rapide. Rapide. Mbèl, fais ça, Kounia. De toute façon, bon, m'bak à l'issant bapé, vois ça, c'est au capté. Non, ouais, ouais, vois ça, m'abjé. Bonsoir. Bonsoir. Organisation citoyenne et citoyen pour une nouvelle Haïti, OCNH, dénoncé décision pouvoir en place là pour remplacer ancienne carte identification nationale là malgré Koussi Payet des comptes à contentieux administratif, pas de valider contrat entre l'État haïtien et film Dermalogue pour produire nouvelle carte identité. Dans ce sens, coordonnateur général OCNH là, M. Camille Oxius, fait qu'on est. Organisation déjà écrit diverses correspondances avec plusieurs institutions nationales et internationales pour attirer attention yo concernant illégalité contre l'État haïtien et film Dermalogue. Coordonnateur général OCNH, M. Camille Oxius, Tenamico, Jean-Robert Saint-Fort et Mackinson, registre. Tout constaté et OCNH engagé dans le plaidoyer sur la question Dermalogue. Là. Et c'est pas parce qu'il y a un problème avec le gouvernement. Mais c'est parce que il y a une violation des droits humains, c'est parce que il y a une violation dans façon contrat établi et nous engager pour mener un plaidoyer pour que nous capable respecter la loi. Dans plaidoyer nous appelé depuis même et première fois de la conférence là, nous t'ai évoqué plusieurs raisons qui fait nous dire quatre dermalogues là illégal. Première raison nous t'ai évoqué qui fait nous dire quatre dermalogues là illégal. C'est parce que le principe qui relève le parallélisme des formes, c'est un procédé juridique qui clairement expliqué si on modifier un texte de loi, qui ça pour faire. Eh bien, décret 1er juin 2005
qui te bail possibilité, qui te dit qui gens pour mieux te faire quatre là sur le plan juridique, le pouvoir en place et nous capable même parler des parlements tout, pas de gain pièce travail qui te fait dans décret 2005 qui te dit qui gens pour quatre identification nationale la fête là. Donc c'est une anomalie. Deuxième anomalie nous relever encore, c'est parce que tu as un document qui était déposé en avril 2017. Jusqu'à présent, nous arrivons en 2020, pas de pièce et séance qui devait être sur lui pour te sanctionner, pour te dire oui, il passe ou bien il ne va pas passer. Troisième anomalie nous enregistrer encore, c'est parce que l'instance qu'il a, ça sur le plan administratif, c'est la Cour des comptes qu'il a pour statuer sur tout contrat qui est lié entre l'État haïtien et un particulier ou un film quelconque. Pendant deux fois, la Cour des comptes baille deux avis défavorables sous contrat qui existait entre l'État haïtien et film de Malogla. Mouvement Tires l'a déclaré y a continué si porter toute décision président République là Jovenel Moïse prend pour faciliter peuple là bénéficier tout bon gens parole lia Tires l'a c'est pour peuple là secrétaire général mouvement Tires l'a maître Dumorney Brunel qui bat bravo pour ensemble engagement li dit li constater président prend n'a retiré intérêt commerçant dans secteur privé a fait qu'on est y a continué si porter chef l'état cependant li mandé pour gagner un gouvernement légitime qui montait pressé toujours dans intérêt ti peuple là. Maître Dumorney Brunel, c'est secrétaire général mouvement Tires là qui était dans micro Radio Télé Éclair. Nous réaliser remarquer à bâton rompu président Jovenel dans plusieurs discours fait, il dit Tires ça c'est pour peuple là. Nous-mêmes mouvement Tires pendant 3 ans, li remarquer que secteur privé a, secteur bourgeois yo soucé, yo pesé et yo pas contenté. Eh bien, ça fait que le président prend décision pour le dire, tirer ça c'est pour le peuple. Nous comprendre que tirer ça pour le peuple, c'est parce que le président, il commence à être clair. Et parce que le est clair, comment ça le fait? Il vient avec banque agricole de manière à ce que pour payer à kabay tête li manger et ça l'estime que qui pa gagne pour moun yo manger la voue prendre à l'étranger pas gagne question c'est valé au canes qui ka fait rentrer batterie ici pas gagne question c'est akrak ka fait dur rentrer ici c'est l'état haïtien pour prendre ça en charge pour voue chercher manger et que pour distribuer manger bay peuple là pendant la mettre dans chaque département mais magasin de l'état pour tout monde capable de manger à bon marché pour acheter pour manger. Tire ça pour le peuple, c'est parce que le président estime que la minoterie d'Haïti, ce n'est pas le peuple qui a vivre, ce n'est pas l'État qui a géré, c'est dans en partie dans le secteur privé allié. Mais les gens besoin de farine, ils n'ont pas besoin de farine. Et farine, nous avons réglé en pile de choses. Ou faire crêpe salée avec, ou faire bois avec, ou faire pâté avec, ou faire la bouillie avec. Alors que les gens n'ont pas besoin de tellement cher, c'est parce que c'est nèg sa yo qui a géré la minoterie d'Haïti. Président veut rapatrier minoti d'Haïti et nous camper derrière. Nous camper derrière président tout pour capable non seulement prendre minoti d'Haïti mais aussi pour prendre cimenti d'Haïti parce que peuple a pas gain caille priorité. C'est dans la rue, c'est dans la boue, c'est en bas pont y a dormi, c'est dans tente yoyé parce que ciment tellement cher. Mais nous dit président nous avec cette fois-ci pour tirer ça capable à jeune peuple là. Éclair info a continué pour nous dire Union Organisation Force Sociale d'Haïti dénoncé journée lundi 10 février 2021 phénomène insécurité avec dossier kidnapping nan yodi ka valé terrain nan dernier jour sa yo. Secrétaire général Union Organisation Force Sociale d'Haïti a David Kossi mandé président République là Jovenel Moïse pour passer CSPN nan l'ordre pour prendre responsabilité pour garantir sécurité population an. Pendant li longe douet li sur une série policier li dit k'ap travay en collaboration ak bandi pour selon lui-même dévier tout plan des EPNH là Normil Rameau Gayen pour ta combattre crime ak insécurité dans pays a dans sens ça David Kossi mandé ak dirigeant la police l'ouvri pressé yon enquête dans institution policière pour river joindre tout mauvais gagnio. David Kossi c'est secrétaire général Union Organisation Force Sociale Haïti a qui te nan micro Radio Télé Éclair. Mes amis, ça fait nous mal en pile en tant que acteur social et politique. Nous sentons que nous avons une question de légèreté par rapport aux dirigeants pays. Nous venons là pour nous adresser nous directement avec le président Jovenel Moïse pour être capable de passer cette semaine dans l'ordre de affaires avec le kidnapping. Pendant toute semaine, là,
Si kidnapping n'a pas entré la caillou, c'est dit bon Dieu merci. Chaque maman, papa, petite, depuis famille sorti dans la rue, les rentrés, c'est dit bon Dieu merci. Nous même n'avons dit avec le président de la République là, c'est pour passer ses semaines dans l'ordre, pour prendre responsabilité. C'est pas qu'à tout temps, c'est monde qui a mouru dans affaire kidnapping là. Mais d'où que kidnapping là tourne en outil économique, chaque zenglendo, chaque kidnappeur qui sentit que au rageur, c'est kidnapper moun, et puis il demande $200,000 pour moun sa capable de libérer. Exactement, moi connais au niveau de la direction générale de la police, Nomil Ramos est un gros technicien au niveau de la sécurité. Cependant, pendant la corde, on va 4 nègres dans la police, tout cap de corde. Il y a des policiers qui sont associés avec des chefs de gang. À chaque fois, la police sort si pour faire un coup de filet, ils fournissent des informations ensemble avec les chefs de gang. Policier sa yo qui mal intentionné, kote ke yo tourne comme tout est chef de gang sa yo. Jodi ya, nous pas comprendre que des agents police qui a peine entré directement dans l'institution prestigieuse ça qui c'est la police, kote moun sa rete riche parce que même un commissaire qui fait 15 ans, 10 ans dans direction de la police qui a travail. D'a demandé inspection générale police là, c'est ouvert des enquêtes pour dans quelle mesure pour demander aux policiers de qui prévient de qui manigance, quand est-ce que nous avons gagné ça au niveau économique. Pendant ce temps, c'est le monde qui a kidnappé. Organisation Femmes pour l'avenir Haïti plaide en faveur poursuite dialogue entre plusieurs partis politiques dans l'opposition et pouvoir en place là pour mettre un bout dans la crise qui a brassé le pays depuis quelques temps. Toutefois, coordonnatrice générale Organisation Femmes pour l'avenir Haïti, Kerline Blanc, voyons pinga pour parti politique pas aller discuter sous intérêt personnel yo, mais plutôt pour yo prioriser problème pays. Coordonnatrice générale Organisation Femmes pour l'avenir Haïti, Kerline Blanc, Tenamico, Jean-Roberto Saint-Fort et Mackenson registre. Au fond là, vienne encourager tout acteur qui voulait faire dialogue dans pays a, parce qu'il croit dans chita parler. Depuis ce chita parler qu'a fait pour résoudre problème insécurité a, ce chita parler problème économique pays a, pour qu'a retirer nous dans situation nous trouvons nous là jodi a. Mais tout chita parler qui nan question couper mandat président pour lui quitter pouvoir 7 février 2021 ou bien pour lui aller jodi a, li pas priorité population an. Si tout femme yo côté situation yo vin pi difficile priorité pour population hein, c'est phénomène kidnapping nan pays a priorité population hein, c'est moun kap mouri en bas bal bandi priorité population hein, c'est vivre sans qu'elle saute et chercher moyen pour nou ka gagnon demain meilleur au fond là constater que acte kap chita qui besoin dialogue yo seulement chita pour mander pour président aller ou oublier yo besoin premier ministre yo pas jamais poser problème insécurité à crise économique qui gagne dans pays a au fond là à soutenir et appuyer tout dialogue tout chita parler qu'a fait avec monde qui opposant yo président. Et la continuer encourager tout secteur dans vie nationale là pour prendre au dialogue là. Pendant au fond là à bat bravo pour en pile secteur, en pile regroupement ak parti politique qui commence à prendre route chita parler là. Au fond là à attirer action nous tout sous nécessité pour renforcer constitution qui doit dans ce débat qu'a fait pour nous capable mettre tout haïtien la donne. Toujours dans dossier insécurité, divers étudiants dans l'université l'État haïtien exprimé désaccord yo ak décision yo di l'État prend pour organiser carnaval dans période qui pour yo même pas favorable. Étudiants sa yo qui dénoncer phénomène insécurité ak kidnapping yo fait konnen qui pas épargner personne moun dans société a dénoncer réalisation carnaval là et puis plaider pour autorité yo ta mette accent sous ça qui nan intérêt population dans sens sa
étudiants ont déclaré y a prêté mobiliser jusqu'à ce que chef dans l'état yo rive prend bon jamaisi pour accompagner peuple haïtien. Téléclair était sous place en suivre. Non, nous même qui là nous c'est plusieurs groupes étudiants et qui dans plusieurs entités dans l'université l'état qui t'a réfléchi sur conjoncture pays a évolué là. Et nous estimons que le nécessaire pour que nous réfléchissions sur ces situations et contexte d'insécurité pays à développer là. Donc c'est peut-être ça, nous avons dit, nous avons sorti comme résolution pour nous prendre là où il y a pour nous envoyer un message là parce que je dis. Il n'est pas possible dans le contexte qui a évolué, à côté que au moins une dizaine de monde a kidnappé chaque jour, une dizaine de monde a mort dans le pays chaque jour. Et puis monsieur qui est dans l'État, il dit monsieur qu'il a payé bien cher, la population a payé bien cher pour mettre en sécurité la population et a trouvé ce carnaval pour le peuple là. Imaginez que se sont passés deux mois complets à fermer la caillou à cause d'insécurité, à cause de chômage, à cause de la vie chère, boire cette belle population. Au lieu où il y a deux dirigeants qui vont prendre des mesures pour prier, pour résoudre un ensemble de problèmes, crier que la société a traversé, ils n'ont pas fait ça, ils ont trouvé que ça qui est nécessaire qu'on y a ce carnaval pour offrir le peuple. Et peut-être ça nous dit nous-mêmes étudiants, on a pris la rue là, on a chuté dans la rue là, jusqu'à ce que. Problème ça a résolu dans le pays. Parce que d'après nous-mêmes, l'insécurité qui est là, kidnapping qui a fait dans le pays, c'est kidnapping d'État. C'est planifié ou planifié. C'est planifié ou planifié depuis le pays national pour que nous mettions le kidnapping dans le pays. Imaginez, malheureux qui a victime, il y a pas de combien de millions de dollars, combien de millions de gouttes pour bailler. Côté malheureux comme ça. Donc, ceux qui vagabondent dans l'État, qui prend l'État en otage, qui ne veulent pas résoudre le problème de sécurité, qui ne veulent pas résoudre le problème de grand goût, qui comprennent ces carnavals qui offrent la population. Nous-mêmes, nous disons, nous pas dans le carnaval, nous avons bien aimé le carnaval. Là, ce espace, son moment côté, la population a défoulé. Mais est-ce qu'on a défoulé ou dans le stress? Est-ce qu'on a défoulé ou dans le carnaval pour que, ou pas dans le carnaval, ou t'en dis, ou kidnappé ou bon temps de mourir? Est-ce que le carnaval a fait dans le contexte là? Nous-mêmes, nous disons, nous avons la rue jusqu'à ce que. Autorité au monsieur tendez nous et jusqu'à ce que gagne une résolution qui vaut un problème. Collectif 4 décembre lancé journée lundi 10 février 2021 yon marche pacifique pour la paix dans pays a. Activité ça cap déroulé 14 février cap vini là c'est pour dénoncer phénomène insécurité ak dossier kidnapping nan cap saccagé société haïtienne nan dernier jour sa yo marche ça a démarré kafou aéroport pour al bout devant ministère justice ak sécurité publique nan avenue Charles Sommer selon coordonnateur général collectif 4 décembre nan Jean-Robert Argan qui mandé ak autorité concernée yo prend toute disposition pour créer yon climat cap permettre population reprendre confiance. Jean-Robert Argan, c'est coordonnateur général collectif 4 décembre, qui était dans Miko, Galen Sui, et Jean-Sony Lemay. Nous avons décidé pour nous organiser une marche vendredi 14 février. Alors, ça nous dit que dans le vif jeudi, il y a un drame qui est état lamentable que le pays nous a eu là-dedans, côté que c'est une insécurité qui prend sous toute longueur. Et c'est peut-être ça, nous dit au niveau collectif là, avec l'organisation qui est capable de faire marcher avec nous 14 février, on nous fait haïtiens, tout haïtien, mettre tête ensemble pour nous aller, pour ébranler béton vendredi 14 février ça. Vendredi 14 février, et qui c'est une date que nous choisissons délibérément. Parce que c'est la Saint-Valentin, c'est la date d'expression de remet, d'amitié, de partage. Donc, nous prenons date ça, justement pour marquer changement. Changement entre ça, la vie commune, qui a détruit le pays, qui a détruit la famille, pour que nous vivions l'autre visage, côté Haïti, côté nous qui vivons dans la paix et de l'amour. Donc nous lançons trois messages. Une by population, pour nous dire que marche ça qu'a fait, il faut que tout participe là-dedans. Il ne faut pas que vous quittez que c'est la peur qui mène. Parce que la peur a plutôt fermé pire. C'est fermé en dedans et puis qu'on y a détruit tête. Non. Il faut que l'on ensemble nous reprenne force l'une et de l'autre. Il faut vaincre cette peur et exprimer justement ce rejet de ce qui se fait. Donc nous avons ce message pour que tout le monde, tout secteur capable de participer à la marche 14 février, ça. Nous très clair là-dedans. Nous avons quitté d'après-midi 14 février
en bas viaduc là, ce que mon rele est Carrefour Résistance. Mon j'ai Ruel Nazo, descend la lue, cassé sous Rue Capois, Jambé Chonmas, monté Avenue Mani, Kage Avenue Charles Soumen, pour nous être devant le ministère Justice Sécurité Publique là, côté nous pour remettre dossiers et documents que nous allons rendre public après. Parce que nous connaissons qui ça nous demande concrètement, ben, le ministère ça, pour ne pas venir dormir sous nous, ni juste passer sous côté. Dans la page internationale, journal La Tempête Ciara continue journée lundi 10 février 2020, frappé partie l'Ouest Europe. Divers dégâts, tant que inondation à coupure électricité enregistrée dans le pays la France, à Royaume-Uni, qui se pays tempête la plus frappée. Dans le cas de passage tempête Ciara, plusieurs vols entre la France et l'Angleterre annulés. 42 départements sur 96 en France étaient placés sous vigilance orange hier dimanche à cause du niveau menace tempête là. Euronews a banon plus de détails. Tentative d'atterrissage compliquée pour cet avion de la compagnie British Airways à l'aéroport de Londres Heathrow ce week-end. La tempête Ciara a provoqué des rafales de vent de plus de 130 km/h et des fortes pluies qui ont perturbé les transports aériens, ferroviaires et maritimes au Royaume-Uni, pays le plus touché. Dimanche soir, 62 000 foyers britanniques étaient toujours privés d'électricité. Les pluies ont provoqué des inondations, comme ici dans le Yorkshire. Une partie du pays est désormais placée en alerte jaune pour des neiges abondantes et vents puissants attendus lundi et mardi. La circulation des ferries dans la Manche, entre Calais en France et Douvres en Angleterre, a été interrompue dimanche. En France, où la tempête progresse, plusieurs dizaines de départements ont été placés en vigilance orange pour vent violent. En Belgique, une partie de la façade de ce bâtiment de Bruxelles s'est effondrée à cause du mauvais temps. En Allemagne, les services météorologiques ont émis un avertissement qui doit courir jusqu'à lundi après-midi. Les aéroports de Francfort, Berlin, Munich, mais aussi Cologne et Hanovre ont annulé des décollages et des atterrissages. La circulation des trains des grandes lignes a quant à elle été suspendue dans l'ouest du pays dimanche soir. La tempête est si violente que la Deutsche Bahn s'est dite contrainte de stopper complètement le trafic des trains grandes lignes en Allemagne. Toujours dans la page internationale, journal la propagation épidémique coronavirus là après poursuivre dans le pays la Chine, plus passé 900 morts à 40 000 cas contamination enregistrés selon bilan journée lundi 10 février 2021. Dans la Chine continentale, 97 nouveaux décès enregistrés, parmi eux 91 dans Hubei, province qui trouvait dans le centre pays qui gagne comme capitale Wuhan, qui considéré comme foyer épidémie. Euronews a banon plus détails. Le navire Diamond Princess est toujours cloué à quai au Japon en raison du coronavirus qui continue de se propager à bord. 65 personnes de plus ont été testées positives, ce qui porte désormais à 135 le nombre total de passagers et membres d'équipage contaminés. À bord, tout est fait pour limiter les contacts, explique ce passager. Les membres d'équipage, à ma connaissance, ne viennent pas et ne changent pas les draps. Honnêtement, le moins de contact nous avons avec les membres d'équipage, le mieux c'est pour eux, comme pour nous. En Chine également, la ville de Wuhan et ses 11 millions d'habitants sont toujours placés en quarantaine. Le dernier bilan officiel dans le pays fait état de plus de 900 morts et de 40 000 personnes contaminées. Dans les autres grandes métropoles chinoises, Shanghai et Pékin, le masque de protection est de rigueur et les rues comme les transports en commun demeurent inhabituellement vides. Les autorités tentent par tous les moyens d'endiguer cette épidémie qui a déjà fait davantage de victimes que le SRAS en 2003. Voilà, c'est là que nous mettons fin à Junalla.
Mais avant nous aller, nous rappelons quelques points qui ont dominé l'actualité. Organisation citoyenne et citoyenne pour une nouvelle Haïti dénonce nouvelle carte d'identité film dialogue a produit pour l'État haïtien. Selon le coordonnateur OCNH, la Cour payer des comptes à contentieux administratif, pas de valider contrat entre l'État haïtien et film dialogue. Organisation Femmes pour l'avenir Haïti plaide en faveur poursuite dialogue entre partis politiques, opposition et pouvoir en place. La. Toutefois, coordonnateur général organisation qui Aline Blanc invité parti politique opposition prioriser intérêt pays. Collectif 4 décembre annoncé organisation yon marche pacifique dans Port-au-Prince vendredi 14 février 2020 cap vini là. Selon coordonnateur général collectif 4 décembre Jean-Robert Argan, marche ça c'est pour dénoncer insécurité et kidnapping en dedans pays. Dans page internationale journal la propagation épidémie coronavirus là après poursuivre dans pays la Chine, plus passé 900 morts à 40 000 cas contamination enregistré selon bilan journée lundi 10 février 2021. Dans la Chine continentale, 97 nouveaux décès enregistrés, parmi eux 91 dans Hubei, province qui trouvait dans le centre pays qui est comme capitale Wuhan, qui est considéré comme foyer épidémie. C'est pour ça avec divers lots qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience et fidélité ou t'es accordé à journal là. Restez branché pour cette programmation. Bonsoir tout le monde.